ensuite, je passe la parole à nos deux panélistes, en commençant avec peut-être avec Mario et ensuite Michel qui va nous closer ça en beauté, je suis convaincu. Donc, Mario Asselin, que je vous présente, qui est administrateur de l'Institut de gouvernance numérique et qui est quelqu'un qui est très, très, très actif sur le web depuis de nombreuses années, qui est aussi un spécialiste en matière de pédagogie et d'éducation. Bonsoir. Je pense qu'on peut, à cette heure-là, commencer à dire bonsoir. Je vous trouve très, très discipliné, très courageux d'avoir résisté à l'appel de la sortie jusqu'à cette heure-ci. Les échanges sont intéressants, mais en même temps, ce n'est pas évident. Mais je sais qu'en politique, beaucoup de personnes ont de la résistance, donc fameux que vous soyez resté jusqu'à la fin. On va faire ça vite, Michel et moi. Moi, j'ai découvert les technologies lorsque j'ai créé en 2002 un programme dans l'école que je dirigeais où chaque enfant avait son propre blog, propre site web. 43 enfants de 9 ans et 10 ans qui, à chaque jour, à chaque heure, écrivaient sur Internet du contenu. 2002. On est en 2014. Alors, ça fait... une bonne douzaine d'années que j'attends, moi aussi, à parler à des ministres. Non, mais l'idée qui est en arrière de ça, hein, c'est que les enfants que j'avais généraient du contenu sur Internet. Et je vais faire un lien avec ce qui a été présenté. M. Hervé a parlé de Schopenhauer. Lorsqu'une vérité apparaît, on rit, on rigole, on la ridiculise. Vous savez que c'est un peu ce qui est arrivé avec l'arrivée de l'imprimerie. Les gens disaient... Les gens se parleront plus. Ça n'a pas d'allure. Le support de la connaissance va être un objet. Les gens vont s'enfermer avec des livres et ils ne se parleront plus. Ils ne se transmettront plus la connaissance. C'est un peu ce qui était arrivé en 1995 lorsque l'Internet est devenu grand public. On rigolait de ça. On avait peur en même temps un peu. On se disait que c'était un peu insécurisant. Et après ça est arrivée la phase où là, on a lutté violemment contre. Vous savez qu'au Québec, actuellement, dans nos écoles, dans notre système scolaire, on a démontré depuis le début de l'activité, depuis hier, l'importance des réseaux, l'importance de se mettre en réseau, l'importance de fonctionner avec les réseaux. Dans nos écoles, actuellement, on a investi dans les filtres Internet. On ne veut pas que les jeunes aillent dans les réseaux. La plus grande innovation qu'on a trouvé à faire avec Internet, c'est de la combattre. Et vous ferez les sondages, j'invite M. Bolduc à vérifier. Internet, dans beaucoup d'écoles, n'est pas accessible. Non seulement, parfois, il est accessible, mais vous pouvez être sûr que les médias sociaux, que Facebook, que YouTube, que tous ces sites-là, là, il ne faut pas aller là. J'ai donné beaucoup de formations, j'ai même dans certaines écoles où lorsqu'on va sur ces sites-là, il y a une grosse lumière qui allume sur l'écran, puis un gros bruit de sirène de bateau. Pan, pan, pour être bien sûr qu'on comprenne qu'on n'est pas au bon endroit. Et ça, c'est pas là 3-4 ans, c'est encore comme ça aujourd'hui. Imaginez, en fin de semaine, vendredi, avant de partir de chez vous, vous avez dit à vos enfants, la maison des jeunes de notre quartier, là, j'ai eu une information privilégiée, il n'y aura pas d'adulte qui va aller là de la fin de semaine. Je le dis, là, il n'y aura pas d'adulte qui va s'en aller à la maison des jeunes en fin de semaine. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver à la maison des jeunes? Il suffit qu'il y ait un jeune qui dérape, pour que le trouble prenne, convaincu qu'il n'y aura pas d'adulte qui va aller voir. On se demande pourquoi il y a de l'intimidation, on se demande pourquoi il y a plein de problèmes sur Internet, et le message que nos jeunes reçoivent à l'école à chaque jour, en particulier sur les réseaux sociaux, c'est qu'il n'y a pas d'adultes qui vont là. On le bloque. Et dans les faits, qui est bloqué, vous pensez? Allez-vous-en dans une école... Demandez à un jeune s'il ne connaît pas l'adresse d'un proxy parce que vous avez besoin d'urgence d'aller sur Facebook et vous comprenez que c'est bloqué. Ça va vous prendre en général entre 2 à 3 minutes à ce qu'un jeune vous donne l'adresse du proxy. La Chine a très bien essayé ça avec sa population et c'est bien documenté sur Internet comment contourner les filtres. Qui est bloqué? Les profs, les adultes. Alors, on est dans une dynamique actuellement, un peu comme M. Cartier l'a expliqué, où... Les jeunes, le message qu'ils ont, c'est qu'il ne faut pas aller là, et eux, ils y vont pareil. Ils font leur truc, comme ils sont habitués de le faire dans la vraie vie. Les jeunes ne vont pas à l'école à cet endroit-là. Les professeurs ne peuvent pas les utiliser pour faire non plus ce qu'ils devraient faire. Je vous comprends, là, qu'en théorie, c'est une source de distraction. Moi, quand j'ai commencé à faire ça avec mes enfants en 2002,
j'ai eu la chance de pouvoir réseauter avec mes amis français. J'ai eu la chance de tomber sur Laurence Juvin, qui fait de la twitterature, qui utilise Twitter à La Rochelle depuis un grand bout de temps, avec Christophe Battier de l'Université de Lyon, avec tout plein d'enseignants français du café pédagogique, des cahiers pédagogiques. Et j'ai pu réseauter avec ces gens-là, puis on a pu s'entraider. Actuellement, il y a autour de 200, 250 enseignants au Québec qui, à chaque jour, réseautent ensemble pour se donner des trucs. Ce n'est pas des TBI improvisés dans le bureau du premier ministre qui vont constituer un plan numérique. C'est une réelle réflexion avec les gens qui les utilisent ou qui ont un intérêt à les utiliser puis qui y voient du sens. Et c'est pour ça, puis je reviens à ce que M. Cartier disait, c'est pour ça qu'il faut se donner une stratégie. C'est pour ça qu'il faut arrêter d'improviser. C'est pour ça qu'il faut avoir des séquences dans nos interventions. Parce qu'actuellement, la fracture numérique existe et on n'a pas de stratégie pour pouvoir la contrer. Et en plus, on l'amplifie par nos comportements d'éducateurs dans les écoles du Québec. Et là, je ne vous parle pas de l'université, des MOOC, où là, 5-6 ans au Québec, on commençait à en parler. Et maintenant, à Paris, il existe un MOOC pour faire des MOOC. Stéphanie Vancé, de Vancé, a fabriqué ça. Et elle réunit tous ceux qui veulent fabriquer des MOOC. On n'a pas pris le virage. Alors, je veux vous parler des universités d'été, parce qu'en France, il y a des lieux à Ludovia, à Autran, à Hourtin. Il y a plein de lieux où on a réussi à réseauter. Et je suis très, très impressionné de ce que les Français ont fait avec Internet et avec les stratégies qu'ils se sont données. M. Ratier est venu vous expliquer le plan. Il en existe un en éducation qui est assez substantiel. Oui, c'est vrai que les ministères, c'est long à bouger. Oui, c'est vrai qu'il y a des silos. C'est particulièrement en France vrai aussi. Le ministère de l'Éducation, vous savez comment on l'appelle en France, le mammouth. Hein, c'est pas particulièrement agile, un mammouth. Mais quand ça se décide à bouger, ça fonce. Et c'est assez puissant. Alors, je nous souhaite, effectivement, qu'on puisse se lancer, nous aussi, dans une démarche de réflexion pour combler cette fracture-là. Et, après que Michel ait pu parler, je vais lancer la question à nos amis. Quel serait, dans un contexte où on a des réflexions à faire, le premier geste à poser? Quand on est un peu paralysé par la peur, quand on a terminé de lutter violemment contre quelque chose et qu'on le prend pour acquis, qu'on dit « oui, c'est vrai, ça existe, il faut faire avec », quel pourrait être le premier geste qu'une société comme la nôtre pourrait poser pour pouvoir réapprivoiser nos liens avec les réseaux plutôt que de travailler à les couper systématiquement? Merci, Mario. Michel? Alors, juste quelques mots présentés. Michel, beaucoup de monde la connaissent au Québec. C'est une des blogueuses les plus connues dans la francophonie, au Québec en particulier. C'est une femme qui rayonne énormément, qui joint beaucoup de monde. En fait, c'est un média que j'ai à côté de moi. Donc, je te passe la parole. Merci. Je vais compléter sa bio. Longtemps, sur Twitter, j'avais mon tagline qui était « I'm a bitch with a purpose ». Alors, voici le purpose. On n'aura pas le côté bitch? Peut-être. Monsieur Couillard, il y a 2 ans, Mario, Michel Cartier, plusieurs autres penseurs du numérique et moi-même, on a fait un rapport d'étonnement. Ce rapport-là, en gros, ça disait qu'on était étonnés de notre absence de plan numérique pour le Québec. Fait que, il y a 2 ans, j'étais étonné. Il y a 1 an, j'étais en tabarnak. Puis aujourd'hui, je suis enthousiaste. OK? Monsieur Couillard, hier, j'ai... Je pense qu'il a eu peur, hein? Fou! Monsieur Couillard, hier, j'ai très mal... J'ai très, très, très mal dormi. J'ai rêvé à vous. Non, mais laissez-moi finir de comprendre. Monsieur Couillard, j'ai rêvé à vous et j'étais excité. Mais je me touchais pas. T'sais? Non, mais j'étais excité, là, que... Enfin... Moi, là, ça fait des années que je milite pour un plan numérique pour le Québec. Puis je me suis dit, enfin, il y a peut-être quelqu'un qui a allumé au gouvernement. Wow!
enfin, il y a peut-être de quoi qui va bouger. Tantôt, TVA, ils m'ont demandé une petite clip. Qu'est-ce qu'ils vont garder de la clip? Je ne sais pas, mais je les ai dit. J'ai écouté, moi, je ne suis pas membre du Parti libéral. Mais quand ils m'ont demandé, Mme Blanc, venez donc nous voir pour parler du numérique, là, je suis parti à la course parce que moi, là, c'est ma vie. Puis c'est pas ma vie pour moi, c'est ma vie pour mon petit-fils. OK? Je vais vous conter une couple d'histoires. Tu sais, on a parlé de bien du positif. Moi, je vais faire mon côté bitch, là. Votre prédécesseur, M. Charest, et tous les chefs des partis, à l'avant-dernière élection, je les ai rencontrés personnellement. Je les ai tous posé la même question. Ils ont tous eu un air bête, comme ça, quand je les ai posé la question. Bon, tu sais. Je dis, au Québec, l'industrie du tourisme, ça génère 10,4 milliards, puis ça fournit 134 000 emplois. On a un ministre, on a un ministère, on a un énoncé économique, on a une vision. Les technologies de l'information, qui sont une sous-catégorie du numérique, ça représente 140 000 emplois et 25 milliards, dont 30 % sont exportés aux États-Unis. Là, on ne parle même pas du numérique, on parle des TIC. OK? 25 milliards. On n'a pas de ministre, on n'a pas de ministère, on n'a pas de vision économique, on s'en crisse. Là, on ne parle même pas des dépenses du gouvernement en TI. Comme vous le savez, là, je pense qu'il faut que vous renouveliez les licences Microsoft des employés de l'État pour 1,2 milliard. Tabarnak, c'est de l'argent. Quand on pense que, tu sais, je vais vous reprendre, là, vous avez dit dans votre speech, vous avez fait un assez bon speech, sauf sur un point. Vous avez dit, la mission du gouvernement, ce n'est pas d'innover, ce qui est faux, à mon point de vue, parce qu'on va prendre l'Estonie, par exemple, qui est devenu le premier gouvernement numérique. Au sortir des années 80, il n'y avait même pas de téléphone filaire, et aujourd'hui, c'est le premier gouvernement sans papier. Les lois, la votation, tout se fait sans papier. Je suis heureuse de vous voir avec une tablette aujourd'hui, mais il y a beaucoup de vos collègues qui sont encore au papier. En Estonie, là, il n'y a plus de papier, OK? Et la carte santé, là, il n'y avait pas de téléphone dans les années 80, puis aujourd'hui, là, tout le monde a sa carte santé. Tu peux payer ton ticket avec ta carte gouvernementale. Tout. L'Estonie, un petit crise des pays, ils ont innové. Puis maintenant, tous les pays d'Europe payent l'Estonie pour savoir comment ils ont fait. Bon, vous avez un autre exemple, le Brésil, l'open source. Le Brésil a pris le virage open source, OK, et Microsoft, OK, nous autres, on a payé 1,2 milliard pour Microsoft. Ils ont donné leur code source gratis au Brésil, traduit en portugais pour que le Brésil se fasse son système de votation électronique. Parce qu'ici, les votations électroniques, on l'a essayé, mais on s'est planté. T'sais, vous vous souvenez, hein? Le directeur général des élections s'est dédouané. Il a dit, oh, on va laisser les villes faire ce qu'ils veulent. Les villes ont fait n'importe quoi. Parce qu'ils ont dit, votation électronique, c'est de la merde. Mais oui, ça permet aux Indiens illettrés de voter parce qu'ils sont capables de reconnaître la face ou le logo d'un parti. Ça permet au Brésil de vendre l'open source à grandeur de la planète. Puis Microsoft, qui a donné l'open source traduit en portugais au Brésil, puis que nous autres, on peut pas avoir l'open source, on peut pas avoir le code source de Microsoft, ils font, écoutez bien ça, vous êtes assis, une chance, leur centre de données, ils font ça en Irlande parce que supposément, là-bas, il fait frais, puis l'électricité est pas chère. Puis, le centre de recherche est au Brésil, qui est le roi mondial de l'open source. Nous autres, on crache 1,2 milliard, on n'a pas de centre de recherche, puis ici, il me semble qu'il fait frais en tabarnak l'hiver. Puis qu'il y a l'électricité, on en a, me semble, tu sais, je sais pas, là. Puis, tu sais, pourquoi qu'on ferait un plein numérique pour le Québec? D'habitude, c'est là que tu prends une gorgée d'eau. Oui, c'est bon. J'ai besoin d'air. Ben, excusez-moi, puis là, je parle pas de la France. Hein, excusez-moi de parler. Puis, si vous voulez, je peux en parler aussi parce qu'ils sont hot en estime, les Français. Moi, je suis allé à Le Web à Paris. J'ai vu le président Sarkozy recevoir les bonzes du Web mondial à l'Élysée à Paris. Puis, j'ai été moi-même reçu à la mairie de Paris. Puis, les petits fours à la mairie de Paris, oh, cow-boy! Ça te donne le goût de faire du Web avec les Français solides, tu sais? Bon, tout ça pour dire que... Puis, bon, je vais vous conter une autre histoire, OK? Moi, là, on va parler de bon, on se fait fourrer avec les trois lettres. Vous savez, c'est qui les trois lettres, hein? Vous savez, l'un des intégrateurs, là? C'est celui-là que ça coûte 500 millions pour faire un projet informatique qui ne marche pas, ou 800 millions, ou 1,2 milliard. Bon, on ne tombera pas là-dedans.
D'ailleurs, j'ai posé, vous nous avez dit comment ça a coûté votre projet. Ouais, la première version, ça a coûté 400 000, la deuxième a coûté 40 000, c'est bien ça? Mais c'est parce que la deuxième version, il n'y a pas de travailler avec des intégrateurs. Oh, ça coûte moins cher dans ce temps-là, t'sais. Bon, puis moi, il y a un VP des intégrateurs que je ne le nommerai pas parce que je parle quand même pour moi et je ne veux pas me faire poursuivre. Mais à un moment donné, je dînais avec, puis je dis, hey, les web services, qui est une série de standards qui permettent l'interopérabilité universelle entre les langages de programmation et les applications d'affaires, j'irais s'agir. C'est rendu à combien, monsieur le premier ministre? 800 000? Ça ne marche pas encore? 800 000? Bon, 800 millions, excusez-moi, 800 millions, je me suis trompé de bracket. Moi, j'ai dit, pourquoi vous n'en faites pas des web services? Pourquoi vous n'en parlez pas au gouvernement? Il a dit, moi, même si on a envie, là, c'est pas faire de l'éducation, c'est de faire du cash. Ah, fait que j'ai compris que pourquoi qu'on ferait de quoi à 10 millions qui marchent, alors qu'on peut faire de quoi à 600 millions qui ne marchent pas? Ah, ben oui, tu sais. C'est ça, tu sais. Fait que le numérique, c'est toute cette réflexion-là. Puis après ça, bon, on va se poser la question, pourquoi qu'on ferait du numérique? Bien, je vais vous dire qu'on pourrait faire du numérique, là, parce que McKinsey, là, ils disent que le produit intérieur brut du numérique, qui contient les technologies de l'information, est plus grand que l'énergie, l'agriculture, puis les mines mises ensemble. Tabarnak, c'est de l'argent, ça, là, là. Pourtant, on a un ministère des mines, on a un ministère de l'agriculture, puis l'énergie, bien, c'est Hydro-Québec. OK? Donc, le Boston Consulting Group, d'ici à 2016, ça, c'est une étude de 2012, Eric va générer... OK, je ne vais pas me fourrer dans... Ah, c'est ça. Écoutez bien ça, là. 4,2 trillions de dollars, Boston Consulting Group, en 2016, pour les pays du G20. OK, une croissance de 4,2 trillions. Ça, là, un trillion, là, c'est 1 billion... Un billion, c'est 1 000 milliards, OK? Fait que c'est 4,2 trillions. Ah, c'est l'argent d'Amarnac, en croissance. Pas en chiffre absolu, là, OK? On va faire quoi, nous autres, pour faire du cash là-dessus? Il me semble que c'est des questions intéressantes qu'on pourrait se poser. Je vais vous conter une autre anecdote. La ministre des Finances de l'ancien gouvernement, ça s'adonne qu'elle est dans mon comté. Moi, je reste à Chaudière, OK? Puis, à un moment donné, bien, l'association de la Fédération des lacs de Chaudière, ils ont dit, « Hey, Mme Blanc, venez donc faire du bénévolat. On va rencontrer le ministre des Finances dans son bureau pour essayer de se pousser dans le cul qui nous donne de l'Internet qui a de l'allure, tu sais. » Ça va nous faire plaisir. Fait que... moi, j'arrive dans le bureau du ministre, puis je vois mon cellulaire. Je suis dans le bureau du Christ, ministre des Finances du Québec, dans son bureau de comté, quand même, t'sais, à 65 km de Montréal. J'ai une barre de réception sur mon téléphone cellulaire. Je dis, monsieur le ministre, as-tu du Christ de bon sens? Une barre de réception dans votre bureau du ministre des Finances du Québec à 60 km de Montréal, tandis que dans le milieu de la forêt au Costa Rica, ça rentre comme une balle. Hey, t'as des rues sur le plateau Mont-Royal où l'Internet... où le cellulaire ne rentre pas. Christ, c'est sur le plateau Montréal. Ça a-tu du bon sens? On est rendu là. En plus de ça, je vais vous donner une couple de chiffres, là, rien que pour que vous compreniez. Là. Là, moi, je vous parle en 2007. Là, un meg, moi, ça me coûtait 4$. Un japonais, ça coûtait 13 cents. Puis un suédois, ça coûtait 35 cents. OK? Puis étrangement, quand vous regardez l'histoire de l'électrification au Québec, là, ça ressemble pas mal comme l'histoire des services numériques au Québec. Tu as une couple de oligopoles qui font un S6$ dans les gros centres, puis les régions manger de la merde. Moi, là, je suis à mon compte, je fais de l'argent, tu sais. Je fais pas de l'argent avec le gouvernement, mais je fais de l'argent avec les bons clients internationaux, les clients en Belgique, les clients en Europe, les clients aux États-Unis, à la grandeur du Québec. Je paye mon Internet un prix de fou, puis qu'est-ce que vous voulez? J'ai mon brain, moi, tu sais. Fait que ça me prend des dépenses. Bon, fait que mes dépenses, je paye Internet. Mais je suis triste pour mon petit-fils, puis je suis triste pour mes voisins. Parce qu'on se fait fourrer comme ça, pas de bon sens. Un des derniers pays à avoir eu l'iPhone de sa planète, les services Internet, scandaleux. Nous autres, là, quand on a 4 mégabits seconde, on dit, hey, on a la haute vitesse. Au Vermont, là, pour 35$ par mois, ils ont 1000 mégabits seconde. Nous autres, on a 4 mégabits seconde. C'est quoi qu'on parle, là? J'écoutais tantôt, là, on parlait de l'innovation, là. J'ai le discours de M. Kahn sur l'innovation, là, je mouillais de bonheur.
Ce qu'il disait, là, c'était extraordinaire. Il l'a, mais il a oublié de parler des infrastructures. Il a oublié de parler du numérique. Pourquoi que je dis ça de même? Ça ne vous tente pas de nationaliser le numérique? Je sais que M. Kojeko ne sera pas content. Ou il va être peut-être bien content parce que j'ai donné de l'argent à Chris. Mais bref. Hein? On ne sera pas content. Ah, vous ne serez pas content? Ah, OK. Mais moi, je serais content. D'ailleurs, je m'étais pogné avec un autre collègue député qui s'appelle M. Legault à la dernière élection. Puis il me dit « Tu pas? » Il dit « Ouais. » On n'avait pas dit qu'on ne parlait pas de M. Legault ici. Ah, ben, moi, je suis libre. Je dis ce que je veux. Bon. Alors, M. Legault, j'ai dit « M. Legault, je parlais du numérique, l'électrification, tout ça. » Il dit « Ouais, mais Mme Blanc, le numérique, c'est un des outils. » Je dis « Ah, j'ai dit une chance que Tachereau, René Lévesque et Bourassa n'ont pas pensé ça de l'électricité parce qu'on n'aurait pas Hydro-Québec, on n'aurait pas toutes les retombées économiques d'avoir eu une vision d'électricité au Québec. » Tout ça pour vous dire que, je vais conclure là-dessus, là, je suis vraiment enthousiaste. Je n'ai aucune idée où est-ce que vous allez vous en aller avec tout ce que je vous ai dit puis avec tout ce que vous avez entendu aujourd'hui, mais rien que le fait que vous ayez l'ouverture de l'écouter, rien que le fait que vous ayez l'ouverture de faire cette réunion-là et de mettre dans votre agenda qui doit être extrêmement complet, une discussion sur le numérique, moi, je suis déjà satisfait. Je n'ai pas voté pour vous à la dernière élection, mais là, tout d'un coup, j'ai le goût en esti de voter pour vous. C'est... Merci. C'était notre Michel Blanc national. Je ne sais pas sur une pancarte électorale, si ça se met bien, j'ai le goût à l'hostie de voter pour vous. Ah, ben, il y a peut-être des vidéos où vous passerez ça, tu sais, en bas, tu sais. Alors, pour revenir à des choses un petit peu plus sérieuses, puis je sais qu'il se fait tard. Plus sérieuse, quand même. Hey! Donc, simplement, je vais poser une question à nos panélistes, nos amis français, et avant de poser la question, je vais vous lire un petit texte qui est signé du premier ministre français. C'est une lettre qui est adressée au Conseil national du numérique. Parce que, tout à l'heure, messieurs vous en ont parlé brièvement, il y a une grande consultation sur le numérique qui va être tenue en France à compter de septembre prochain. Et c'est le Conseil national du numérique qui a été mandaté pour faire cette consultation-là. Et le but de cette consultation-là, qui doit déposer son rapport dès janvier, c'est d'en arriver à avoir une loi cadre du numérique pour assurer la souveraineté numérique de la France et tout l'ensemble des questions dont on a discuté. Donc, je vous lis les deux premiers paragraphes. Évidemment, je pense que c'est un texte qui va vous parler beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Donc, ça se lit comme suit. Monsieur le Président, j'ai décidé de mobiliser tout le gouvernement autour du numérique et d'en faire une des priorités de notre action dans l'année à venir. Le numérique fait désormais partie de la vie quotidienne d'une majorité de Français. Il est porteur de mutations profondes et d'opportunités décisives dans l'émergence d'une économie nouvelle comme pour la modernisation de nos entreprises. Il renouvelle les modes d'accès, de production, de la connaissance, de l'information et de la culture. Il est un formidable outil au service de l'inclusion sociale et territoriale. Le gouvernement doit accompagner ces mutations et faire du numérique un outil de croissance, de compétitivité, d'éducation, de culture, de justice et d'égalité. Le numérique représente de surcroît une formidable opportunité de renouvellement de la démocratie en établissant de nouveaux liens et interactions entre les pouvoirs publics et citoyens. Donc, pour moi, ce sont des paroles qui résonnent évidemment très fort. Mais je m'adresse à mes amis français et je leur pose la question suivante. À la lecture de ça, est-ce que vous pensez que ce qui est lancé comme exercice à travers la France, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qu'on pourrait faire ensemble, le Québec et la France? Et si oui, quels sont les enjeux que vous voyez, les principaux enjeux pour arriver à avoir un premier plan numérique en France? La force du numérique, c'est justement de supprimer la distance. La force du numérique, c'est de faire rencontrer des gens différents et qui tout d'un coup prennent conscience qu'ensemble, une intelligence collective est supérieure à leur intelligence à eux. C'est-à-dire que la somme de leur intelligence, le tout est supérieur à la somme de leur intelligence. Et à chaque fois que vous allez faire quelque chose entre le Québec et la France, vous augmentez à la fois
la capacité d'innovation du Québec et celle de la France. À chaque fois que nous sommes entre nous, nous avons tendance à faire inertie à ce qui est nouveau. À chaque fois que nous rencontrons dans un voyage ce que fait l'autre, nous avons la curiosité de l'appliquer à nous-mêmes. Et quand j'avais fait la ville numérisée, nous étions trois dans le monde, hein, Blacksburn, moi et Singapour, tout le monde entier venant, hein, les Japonais d'abord, bien sûr, les Américains ensuite, venant voir. Moi, je viens ici à Rimouski il y a 18 ans, parce que Rimouski était déjà celui qui s'intéressait à ces technologies. Eh bien, c'est cet échange entre des cultures différentes, entre des singularités différentes, qui fait force. Donc, ce que vous dites, j'y crois profondément, c'est à chaque fois, essayons de faire coopérer des différences. Et lorsque nous sommes, et c'est le cas en France, dans un système où les gens sont uniformes, et où l'uniformité en particulier des fonctionnaires, hein, mon ami Daniel, est telle que là, il faut créer de la compétition. Partout où il y a des différences, il faut créer de la coopération, faire œuvre commune, un opus en commun, et partout où il y a de l'uniformité, il faut faire de la compétition. Merci. Monsieur Ratier, qu'en pensez-vous? Bon, Jean-François, moi, je suis fonctionnaire, hein, faut que je garde mon job quand même là-dessus. Bon, il faut prendre le taureau par les cornes, parce que le taureau, il est lâché. Et il est à la fois inquiétant, à la fois magnifique. C'est unique, c'est une chance. Nous vivons une époque formidable, bon. Mais effectivement, le taureau, il faut le prendre par les cornes. Sinon, ça ne va pas bien se passer. Donc la première chose, et la seule que j'ai envie de dire ce soir, c'est que le numérique, oui, il faut s'en occuper très sérieusement. À la clé, les enjeux sont considérables, hein, pour le Canada, pour sa culture, pour ses individus. Donc j'en dirai pas plus. Mais oui, il faut s'y mettre. Hein, ça, c'est vraiment ce que je dis partout, hein, y compris devant des gens qui sont vraiment très loin de tout ça, qui n'ont pas trop envie de s'y mettre, qui sont trop littéraires, etc. Si, il faut s'obliger. Il y a un effort à faire. Hein. Mario? Oui, ben moi, je suis fasciné de par le fait que les jeunes, eux, s'en sont occupés. Puis j'ai travaillé 9 ans dans un pensionnat de garçons, 7 ans dans un pensionnat de filles. Puis on travaillait beaucoup sur l'animation, parce qu'avec les ados, quand tu t'occupes pas d'eux autres, c'est eux qui s'occupent de toi. Puis rarement de la manière que tu voudrais être occupé. Et pour rejoindre les propos de Michel, je pense que c'est en train de se passer. Les jeunes s'en sont occupés et ils s'organisent drôlement bien, au-delà des barrières que nous, on peut leur mettre. Et autant au niveau de la fibre entrepreneuriale que de leur rapport avec le savoir, si on ne veut pas que nos institutions deviennent trop vite obsolètes, on va devoir prendre acte de ça, de ce phénomène-là qui est en train d'arriver. Alors, ça se fait, c'est pas compliqué. Il y a des champions qui le font dans les milieux locaux. Ce sont les institutions, les grosses institutions qui ont des problèmes actuellement. Et c'est vrai ce que Michel a dit, ça part du bureau du premier ministre. Michel Cartier l'a dit, Michel Blanc l'a dit. Et personnellement, je suis impressionné, moi aussi, que vous ayez créé cet événement-là, M. Couillard. Et la meilleure des choses qui pourrait vraiment arriver pour les Québécois, c'est que de votre bureau, dans les prochaines heures, minutes, mois, années, il se passe véritablement la révolution qu'on a besoin au Québec. Parce qu'il y a une urgence et parce que c'est censé de s'en occuper. Merci beaucoup d'avoir été là, en tout cas. Merci. Alors, sur ça, je laisserai peut-être un dernier mot de clôture à notre ami Michel Cartier, qui est au bout de la table, qui ne s'attendait pas, mais je trouvais intéressant quand même de lui repasser la parole pour qu'il nous dise ce qu'il en pense de la dernière question que j'ai posée tout à l'heure. Un, deux, oui, ça marche. Il y a 50 ans, vous nous avez donné l'électricité, donnez-nous le numérique.
Alors, il ne me reste qu'à vous souhaiter une bonne fin de soirée. Je vous remercie tout le monde. Merci beaucoup, M. Couillard, de nous avoir donné cette opportunité fantastique.